Ah, tu... Oui, Adana. Tu n'es pas encore prête? Je suis fatiguée. J'ai presque fini. Tire la porte. Comment va ta mère? Elle va bien, oh, elle va bien. Elle a même demandé après toi. Je lui ai dit que nous allons servir. Je passerai lui rendre visite. C'est Kaïma. Augie, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Ok, bon, je me dépêche. Je dois aller au marché. D'accord, dépêche-toi d'y aller. Moi, je vais D'accord, à plus. Ok. Salut. C'est Kaïma. Hmm? Et depuis quand est-ce que tu as commencé à parler avec elle? C'est après la veille de prière, celle que tu as osé manquer. Ma chère, tu aurais dû assister à cette veille de prière. Si tu voyais ce qui s'est passé, tu as raté. Hein? Tu as raté beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Si c'est là cette histoire de mariage dont on parle tout le temps. Je prie pour que Dieu nous montre nos prétendants potentiels. Pour que nous ne fassions pas d'erreurs dans nos choix. Nos potentiels prétendants, tu dis. Mm-hmm. Ma sœur, je ne veux pas utiliser mon mari comme petit ami. Et ensuite mon petit ami comme mari. Tu me comprends? Que mon mari vienne, que je me marie et que je vive heureuse pour toujours. Tu as raison. Cette histoire de mariage est vraiment sérieuse. Alors, as-tu eu une révélation? Ma sœur, en fait, après cette nuit de prière, j'ai encore refait cette prière la nuit dernière. Si je te raconte le rêve que j'ai fait. Vas-y, je t'écoute. Tout comme nous allons puiser de l'eau en ce moment. Mais dans mon rêve, nous revenions de la rivière. On portait nos seaux d'eau sur la tête. Et de là, on a rencontré un homme qui boitait. Cet homme boitait. Et par la suite, il m'a salué en disant, « Néméo, comment vas-tu ? » J'ai répondu, « Bonjour. » Et c'est passé. Et toi, quand tu arrives à la maison, tu as trouvé un jeune homme qui portait un t-shirt blanc et une casquette noire. Non, rouge, une casquette rouge. Et au même moment, j'arrivais aussi à la maison. Et j'ai trouvé un dossier. Dossier. Dossier l'ingénieur, celui qui construit les maisons. Ah, oui, un dossier. Dossier était chez nous, en train de fendre du bois. C'est faux. Ce rêve était très bizarre. Honnêtement, je n'ai rien compris à ce rêve. Chika Emma. Tu es en train de devenir Joseph le rêveur. Oui, ma chérie, je vais devenir Chikaïma la rêveuse. Calé. Ah, où est-ce que tu vas? Je vais chercher un truc là-bas, pas loin. Je reviens tout de suite. Ah ouais? Je reviens. Ok, d'accord. Ok. Prends soin de toi. Ouais. Tu marches trop vite. Nem, comment tu vas? Comment vas-tu? Tu penses à ce que je pense?
À quoi est-ce que tu... Que Dieu m'en préserve. Pardon, pardon. Ne pense pas ça. Non, ne pense pas ça. Et si... Comme tu as dit que tu as vu ce rêve... Et si ce rêve était une révélation? Adana, j'ai dit que j'avais fait un rêve. Je n'ai pas dit que j'avais une révélation. Ce n'est pas une révélation. Il ne peut pas être mon mari. Que Dieu m'en préserve. S'il te plaît, on y va. Bonjour. Bon. Bonjour. Désolée. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bien, c'est votre sœur qui m'envoie. Elle m'a demandé de vous remettre ceci. Oh. Merci. Je vous en prie. Elle me l'a dit, mais... Elle ne m'a pas dit que vous viendriez aussitôt. Oh, tout comme elle ne m'a pas dit que vous êtes aussi belle. Dois-je le prendre comme un compliment? Eh bien, vous pouvez le prendre comme un compliment ou ne pas le prendre comme un compliment. Mais sachez que vous êtes très belle. Eh bien, je vais devoir partir. Disons à la prochaine. Dosier? Mais... Hé, hey, t'es de retour. Que fais-tu? Je ne comprends pas. Je t'ai posé une question, une simple question de surcroît. Que fais-tu ici? Oh, premièrement, laisse-moi t'aider à faire descendre ton seau d'eau. Je vais te décharger. Ok. J'aidais juste un peu. C'est juste parce que j'ai passé par là. Et j'ai vu maman qui fendait du bois. Alors je me suis dit, comment je peux passer ma route pendant que maman serait en train de fendre du bois? C'est pourquoi tu me retrouves ici. Où est maman? Ok, maman et Bouka est venue. Et les deux sont partis ensemble. Mais elle a dit qu'elle revenait très vite. Et où sont-elles parties? Tikaïma! Tikaïma, viens, viens. Mais que se passe-t-il? Dosier est en train de fondre du bois, le même bois. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Que veux-tu dire par « tu ne sais pas » Hey. Un homme qui boite t'a salué en route et il t'a appelé Nem. Je suis arrivée chez moi et j'ai trouvé un homme qui portait un t-shirt blanc avec une casquette rouge. Vas-tu m'expliquer? Je ne comprends plus rien. Attends, attends, attends. Tu as rencontré un homme qui portait un t-shirt blanc et une casquette de couleur rouge? Oui. Chez vous? Chez moi.
Un homme très présentable qui portait un t-shirt blanc et une casquette rouge. Qu'est-ce qui se passe, Okinyenene? Honnêtement, je ne sais pas. Hey. Je n'en sais rien. J'ai juste fait un rêve. Hey. Ma sœur, je ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, c'est de prier. Et toutes ces choses arrivent. Mais tu aurais dû voir le choc sur mon visage quand j'ai vu Franck. Franck. Qui est Franck? L'homme de ton rêve. Celui qui portait une casquette rouge et un t-shirt blanc. Contrairement à toi qui as été déçu par ce Callistus, le boiteux, et ce dossier, ma sœur, je ne vais pas te mentir. Je suis très très contente. Obinan Tomo. Pourquoi es-tu contente? Ah ah. Hey. Franck a une voiture. Tu aurais dû le voir. Franck est un très... très, très bel homme. Le rêve de toutes les femmes. Si c'est ce genre de mari que tu as demandé pour moi, Dieu te bénira. Dieu va te bénir avec beaucoup de richesses. Merci beaucoup. Je suis contente. Ada, je suis vraiment très confuse. Est-il possible que Callistus et Ndosier soient mes époux? À Dieu me plaise! Dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Que veux-tu que je dise? Comment deux hommes peuvent se présenter à moi après que j'ai adressé une prière à Dieu en vue du mariage? Comment suis-je censée interpréter ça? Je pense que tu devrais être contente parce que tu as le choix. Oui. Et si c'était comme à l'époque où on disait « J'étais sous la pluie et il est venu me couvrir avec un parapluie. » Ada, arrête s'il te plaît. Je pense que c'est drôle. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas, honnêtement. C'est très sérieux. Mais que veux-tu que je dise, hein? Tu sais bien que Dieu répond à tes prières plus que les miennes. Je pense que tu devrais te rapprocher de Dieu dans les prières. Parle-lui et il te répondra. Ne t'en fais pas. Je vais t'accompagner dans le jeûne et la prière. Grand tu es, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Grand tu es, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Grand tu es, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Grand tu es, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Mon Jéhovah. Igne bagnere bo. Onyembe tutti nobi. Igne bagnere bo. Onyembe tutti nobi.
mon entier. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Ah. Père, j'en appelle à vous. Seigneur, papa, il n'y a personne comme vous. Père, tu es le Ekwueme. Hey! Papa, tu es le Dieu qui répond par le feu. Tu es le Dieu qui ne prend la permission de personne pour bénir quelqu'un. Tu es le Dieu qui donne et qui ne demande rien en retour. Papa, tu as dit que tu n'as pas besoin de nos signames, de nos tubercules. Tu n'as besoin de rien venant de nous. La seule chose dont tu as besoin, c'est la louange. J'arrive. Madame, je m'amuse. Ma sœur Chikeima, l'intercesseuse. Tu es folle. Madame, je profite de la vie. Tu es souvenue de moi aujourd'hui, après m'avoir abandonnée. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Hein? J'attendais que tu finisses ta période de jeûne et de prière. Ce qui veut dire... Ah, ah, celui que tu fais pour nous deux, non? N'es-tu pas celle qui a prié et Franck est venu vers moi? Mais, s'il te plaît, continue la prière parce que j'aime tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Hé, hey, je veux le voir. C'est écrit partout sur toi. Et c'est pour cette raison que tu es venue me voir. Pour l'intercesseuse. Si. Mais qu'est-ce que tu espères que je fasse? S'il te plaît. Quoi de neuf concernant le jeûne et la prière? J'ai fait un autre rêve. Tu te rappelles de ce Callistus? Le boiteux. Oui. C'est comme si la vie va lui sourire. Je ne plaisante pas. Attends, Thie. Attends, petit. Tu préfères choisir le boiteux que de dossier? Le bon dossier. Je n'ai pas dit ça. Là, je te relate les faits. Je dois plutôt raconter mon rêve. Ok, continue. Alors, attends que je finisse. Continue. Ma sœur. Dans mon rêve, j'ai épousé Callistus. Ma vie n'était pas facile, oh. Ma sœur, j'ai souffert. En fait, j'ai miséré. Hey! Souffrance était devenue mon nom. Ce n'était pas facile. 5 ans de souffrance avec lui. Mais au fil du temps, les choses ont commencé à s'améliorer. Ce n'était pas très clair, mais... Je me rappelle qu'il m'a acheté une voiture. Qui t'a acheté une voiture? Callistus. Désolée, tu es vraiment sérieuse? Dans tous les cas, oublions Callistus. Qu'en est-il d'un dossier? Que s'est-il passé? Dossier? Dans ce même rêve. Tout comme nous sommes assises là, présentement en train de discuter, de papoter. C'est ainsi que nous avons discuté, au point de nous endormir. Et après, Dosier a frappé à la porte. C'est même le bruit de la porte qui nous a réveillés dans mon rêve. Quand il a frappé, j'étais genre, c'est qui? Je suis sortie pour aller le voir et tu m'as suivi. Et il m'a demandé si je connaissais quel jour on est. J'ai dit, nous sommes quel jour? Il m'a répondu, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Dit, eh wow, je ne savais pas, joyeux anniversaire. Mangono. Après, il a dit que, vu que c'est son anniversaire aujourd'hui, il veut que ce soit un jour spécial, un jour mémorable. C'est comme ça qu'il a sorti une bague et il s'est mis à genoux. Et puis, il m'a demandé de l'épouser. Neo. Ofoko velifo. Ah! C'était vraiment romantique. Moi qui n'avais pas encore vécu ce genre de choses, à part dans des films.
Et je les ai vécues. C'était tellement romantique. J'étais là. Hey, Biko. Et j'ai dit oui. Et c'est comme ça que nous sommes mariés. Oufou 5 years 1, quoi. Après 5 ans de mariage, le jour de notre 5e anniversaire, oui, je me rappelle, le jour de notre 5e anniversaire, puis... Ah, désolé. Par ici, par ici. Do, assois-toi. Assois-toi. Allez, assieds-toi. Merci. C'est normal. Merci beaucoup. Tout va bien. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse. Tu vas bien. Comment je peux aller bien? Comment je peux aller bien alors que je suis devenu aveugle? Ça va aller, ne parle pas comme depuis ça. Depuis quand le fait d'être aveugle fait en sorte qu'on se sente bien? Dosier, arrête de parler comme ça. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi je ne devrais pas parler comme ça? Ouais. Ma vie. Maintenant, Dosier est devenu un homme aveugle. Dosier, arrête. Arrête. Hein? Arrête. Dieu a ses raisons. Hein? Sois patient. Quel Dieu? De quel Dieu me parles-tu? Dosier. Quel Dieu? Le même Dieu qui a permis que je sois dans cet état. Durant ce même voyage que je pensais qu'il allait changer notre vie. Dosier, ne parle pas de Dieu de cette façon. Arrête. Pourquoi je ne devrais pas parler de Dieu de cette façon quand il a permis que ceci m'arrive? Hein? Quel genre de Dieu ferait ça à sa propre créature? Je croyais qu'on dit que Dieu nous a créés à son image. Pourquoi est-ce qu'il laisserait son image? Laisser quelqu'un qui l'a créé par amour être torturé. Quel Dieu te laisserait aller de torture en torture au lieu de quitter de rien pour devenir un grand? Dosier, arrête ça. Dieu est un Dieu fidèle. Ça y est, c'est reparti. Le médecin nous a clairement dit que tu as de fortes chances de retrouver la vue. Je t'en prie. Des chances? As-tu dit des chances? Je ne peux rien voir. Dosier. Et tu me parles d'espoir et de chance. Est-ce que j'ai besoin d'espoir et de chance? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de chance? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'espoir? À quoi ça me servirait maintenant? Dosier, arrête. Écoute, s'il y a 1% de chance pour que tu puisses encore voir, dans ce cas, j'ai 99% de chance de croire en Dieu, que tu retrouveras la vie. Comment? J'ai juste besoin que tu aies la foi. J'ai juste... Tu continues de parler de Dieu. Le même Dieu qui a fait en sorte que je sois dans cet état. Dosier.
Arrête ça, arrête ça. Je me serais endormie pour ne plus jamais me dormir. Dosier, ne dis pas ça. Dosier, ne dis pas ça. Arrête. Pourquoi? Je me déteste. Arrête ça. Arrête ça, Dieu sait pourquoi. Quel Dieu? Quel Dieu? Quel Dieu me parle de Dieu? Tu que me parler de Dieu? Tu me parler de Dieu? Dosier, arrête. Arrête. Arrête ça. Ok. Ok. Tout ira bien, ok? J'aimerais dormir pour ne plus jamais me réveiller. Pourquoi me parles-tu comme ça? Ma vie. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien, s'il te plaît. Calme-toi. Fais-moi confiance. Ça ira. Tu veux t'allonger? Oui. Attends. Par ici, par ici. Vas-y, doucement. T'inquiète pas, couche-toi juste. Je vais soulever tes pieds. Ma sœur, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Je n'arrive vraiment plus à reconnaître mon mari. Je ne sais pas pourquoi tout ceci lui arrive. Perdre la vue a été un choc pour lui. Je peux comprendre ce qu'il ressent. Mais tu dois être forte. Oui, tu dois être forte pour lui. Nem, je suis forte. Je suis forte. Et c'est cette force que j'ai qui m'empêche de m'effondrer. Oh. Je ne sais pas. Mon ami, je sais ce que tu ressens. Je comprends. S'il te plaît, tu ne dois pas t'effondrer maintenant. Pas maintenant. Ne lui montre pas que tu es faible. Ça va l'anéantir. S'il te plaît. Hum? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je sais que tu crois en Dieu. Et le Dieu Tout-Puissant fera en sorte que tout aille bien au bon moment. S'il te plaît, sois forte. Je suis forte. Tout ira bien, ok? Je vais devoir partir. Aussitôt? Oui, je dois aller préparer quelque chose à mon mari. Oh! J'ai oublié que ton mari était là. Oui. Nem, merci pour la visite. C'est bon. Merci infiniment. Je ne veux plus te voir dans cet état. Ça va aller. Ne t'en fais pas. Ça va aller. D'accord. Mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Hein? Yo! Abîmé. Lève-toi. Que s'est-il passé? Je voulais aller me balader. Je voulais prendre de l'air dehors. Alors je me suis levé, je suis tombé. Je n'ai pas vu que des choses. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Hein? Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. C'est ce que je t'ai dit. Non. Ce n'est pas tout que tu feras pour moi. Par moment, je peux aussi me débrouiller. Tout va bien. Je suis toujours un homme, après tout. Je sais. S'il te plaît, ces choses qui sont tombées, j'espère que je n'ai rien endommagé. Non, tu n'as rien endommagé. Tu n'as rien endommagé. Ne t'inquiète pas. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je pense que je vais te trouver une canne. Comme ça, si tu veux te déplacer, tu peux retrouver ton chemin avec. Même si je ne suis pas à côté de toi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux trouver une canne pour moi?
Donc, moi, je vais commencer à me déplacer avec une canne. Dosier, arrête ça. Ne fais pas ça. Quelqu'un de si fort. J'ai besoin d'une canne pour me déplacer. Dosier, arrête ça. Dieu, quoi que j'ai fait, délivre-moi de cette calamité. Dosier, arrête, s'il te plaît. Je te conjure, si tu continues à pleurer comme ça, que veux-tu que moi je fasse? Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu est avec nous. Quand le moment sera venu, il va se manifester pour nous. Quand? Je ne sais pas. Quand je vais mourir? Dosier, tu ne vas pas mourir. Tu es juste aveugle. Et il y a des chances pour toi que tu retrouves la vue. C'est mieux que je meure. Dosier, pourquoi est-ce que tu parles de la sorte? Qu'est-ce qu'un homme sans sa vue? Hein? Je ne sais pas quand. Mais je sais que le Dieu que je sers ne nous laissera pas tomber. Il ne nous abandonnera jamais. Je t'en prie. S'il te plaît, je veux que tu gardes la foi. Garde la foi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Do. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Non. Non. Do, tu n'as rien fait de mal. Do, tu n'as rien fait de mal. Ok? Do, arrête. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Je vais arrêter. Assois-toi. Allez, assois-toi ici. Merci. Je t'apporte ta nourriture, ok? Ok. Lève-toi. Ok. C'est délicieux. Je savais que tu allais utiliser les ingrédients qu'il faut. Ah, je suis contente de voir que tu as de bonne humeur. C'est bon. Ouvre la bouche. Je crois que c'est bon. Mon estomac est déjà plein.
Je n'en peux plus. Donne-moi juste un peu d'eau pour faire descendre tout ça. Tu veux boire? Oui, je voudrais de l'eau, s'il te plaît. Okay. Voilà. Ici, ici. Bois. Ok. Je ne veux pas boire beaucoup d'eau. Pour ne pas avoir mal au ventre. Mm-hmm. D'accord. Ah ah, c'est bon. Vu que tu as dit que tu étais plein, tu veux manger la viande ou tu veux que je la mange? Ne touche pas ma viande. Je sais que tu aimes la viande, donc maintenant tu ne me demandes pas de la manger. D'accord. Ok, nous allons nous arranger de cette façon. Tu divises en deux, tu prends la moitié et moi l'autre. On ne partage pas. Soit tu me la donnes, soit tu la manges. Ok, mange-la. Je savais que c'est ce que tu allais dire. Tu sais que t'es ma femme. Allez, prends ta viande. Merci. Dis-moi, Mao. Dis-moi, Mao. Chérie. Faut manger. Faut manger. Tu veux encore de l'eau? Doucement, doucement. Finis d'abord de manger. L'eau. Okay. Donne-moi ça. Tu sais quoi? Je vais aller déposer ces plats à la cuisine. Je dépose l'eau ici. Tiens, par ici. Merci. Fais attention avec ça, hein? J'arrive, je vais déposer ça et je t'apporte plus d'eau. Ok, chérie. Donc, c'est juste si tu as besoin d'eau au cas où je ne suis pas là. Oh, Bimé, as-tu bu l'eau? Cette viande est tellement bonne. Ok, vas-y, garde ça pour que je n'en boive pas trop. Ne t'inquiète pas, je vais t'apporter plus d'eau. Ma chérie, merci. Merci beaucoup. Mais arrête. Pourquoi est-ce que Qu'est-ce tu Qu'est-ce que je ferais sans toi? Hein? Merci. Ndo, arrête de me remercier. Je suis ta femme. Si je ne fais pas toutes ces choses, qui les fera pour toi? Hey, t'as raison. Mais je te remercie. Ndo. Ndo, Tikaïma. Oh, Malitia. Akoso Sombo. Hey. Ewo, le seul et l'unique. Hey. Afodiba, Fodogo Gimiya. Ewo, Ugebemu. C'est à moi qu'appartiennent tous ces noms. C'est pour toi, mon amour. C'est pour toi. Et même dans mon état actuel, tu continues de me donner des petits noms. Mon amour. Que Dieu te bénisse. Le fait que tu sois aveugle n'a rien à voir avec ça. Ta perte de vue ne peut pas changer qui tu es. Je connais le genre d'homme que tu es. Et tu es mon époux. La lumière de ma vie. Le seul par qui je vois la lumière de ce monde à travers ses yeux. Que tu sois aveugle ou pas, ça ne change pas le fait que tu sois l'amour de ma vie. Le seul et l'unique. Mon amour. Ogwebe Chikaima. Oui, c'est bien moi. Ouekemu. Mon amour. Ogesosa. Chai. Akonobam. Ewo. Chai. Diwoma. C'est trop de chance. Écoute, je bénis le jour où j'ai posé les yeux sur toi. Je remercie Dieu. D'avoir fait de toi ma femme. Qui aurait pris soin de moi si j'avais épousé quelqu'un d'autre? Oh, Bimé. Hein? Qui? Je remercie Dieu d'avoir fait de toi mon époux. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Chai. Et je t'aime de tout mon être. Et je resterai toujours près de toi, peu importe ce qui arrive. Hey, je t'aime tellement. Je t'aime. Je sais. Et c'est pour ça que je t'aime aussi. Oh, Bimé. Il faut que j'aille me préparer pour aller au marché. Ok. Parce que si on continue comme ça, nous n'allons pas nous arriver. Et le plus tôt sera le mieux pour que je puisse rentrer tôt. Hein? Ok. Il se fait déjà tard. Ok. Ok. S'il te plaît. Oh, Bimé. Je t'en prie. Essaye de vite rentrer. Je vais vite rentrer. Écoute, je vais t'apporter une canne à main.
Cette canne à main dont je t'avais parlé, je vais te la porter. Juste au cas où tu vas aller uriner ou quelque chose d'autre. Que tu sois en mesure de retrouver ton chemin. Hein? Okay. Mais je ne crois pas que tu en aies besoin. Tu vas bien. Continue-moi, Mary. Ça va pour le moment. C'est d'accord. Je me dépêche. Avant que la nuit ne tombe. Je vais me changer. Et puis je pars au marché. Hein? Je vais vite me changer et puis partir. Mais avant d'y aller, je vais t'apporter la canne à main. Au cas où tu voudras aller quelque part. Aïe. Mais tu ne devrais aller nulle part. Après avoir mangé, tu dois te reposer afin de mieux digérer le repas. Si tu veux t'allonger, tu devras le faire dans ce sens. Là, tu es sur le lit, ok? Ici, c'est le lit. Je le sais. Alors, tu peux t'allonger et faire ta sieste. Je suis là. Merci. Qu'est-ce que je pourrais faire bien dans ce monde sans toi? Arrête ça. Je t'ai dit d'arrêter de me remercier. Je vais aller m'habiller pour aller au marché. Au logo. Je vais tirer la porte, mais je ne vais pas la fermer. Reviens-moi vite. Je le ferai. Ne perds pas de temps. Je vais me dépêcher. Tu sais que je serai seule. Ne t'inquiète pas. Je le ferai. Je le ferai. Ok, tu me le promets. Je te le promets. Je t'aime, mon cœur. Nano. Obim. Hein? Voici la canne à main. La voici. C'est où? Dépose là où ce sera facile pour toi de l'atteindre. Je l'ai. Ne va nulle part, non. Allonge-toi juste. J'irai nulle part. J'arrive. Je resterai là. Faire pipi. Jean, qui n'est toujours pas de retour. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Lève-toi, lève-toi. Chérie. Lève-toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé. Je voulais uriner. Alors, j'ai dû... Ce n'est pas grave. J'ai dû me lever pour aller aux toilettes. Je n'ai pas pu trouver mon chemin jusqu'à la porte. Tout va bien. Et j'ai uriné sur moi. Tout va bien, désolé. Lève-toi. Lève-toi. Où est ta canne? Je croyais t'avoir demandé d'utiliser ta canne. J'ai cru que je pouvais me déplacer par moi-même et sans ma canne. Comment peux-tu te déplacer par toi-même avec toutes ces choses? Tu aurais dû utiliser ta canne. C'est pour ça que je te l'ai donnée. Pour que tu ne te fasses pas mal. Je suis désolé, chérie. Ce n'est pas de ta faute. Je n'aurais pas dû te laisser seule. La prochaine fois, je vais trouver quelqu'un pour rester avec toi avant que je ne sorte. Merci. C'est très gentil de ta part. Tout va bien, t'inquiète pas. Je vais te nettoyer. Merci.
Merci. Retire tes babouches. Je ne sais Attends, pas où retire tes babouches. Retire-les. Je ne sais pas où j'ai cogné mon pied quand je cherchais mon chemin. Vraiment désolé. Tu vois pourquoi je t'ai demandé d'utiliser ta canne. Je ne sais pas encore l'utiliser. C'est d'accord. Porte bien tes babouches. Peut-être qu'avec le temps, je saurai l'utiliser. Viens, je pars te donner ton bain. Je vais m'occuper de la blessure après. Viens. Ok. Avance. T'inquiète pas, je vais m'occuper de la blessure après. Allez, avance. Doucement. Vas-y, tout droit. Hein? Vas-y, tout droit. I need to know, oh, where did I go wrong? What have I done now? My hands are tied. I need to know, why do I feel the way I feel? I only pray. I only pray what seemed to be a roller coaster is done to earth on. Earth on to my flesh, where did I go wrong? What have I done? Ganos moi. M'assiez-vous, voyez, maquissez-vous, et diriez de retour, et si est dit qu'on voyait nos mounos, si c'est mon nom, nous dit. Wa munos wo miri kidere tu. Mon Dieu, tu as dit que tu ne laisseras jamais ton peuple. Père, tu as dit que tu seras toujours avec ton peuple. Père, mon cas ne sera pas différent. Papa, c'est trop. Papa, ta fille n'en peut plus. S'il te plaît, mon Seigneur. Père, regarde-moi. Regarde mon mari et moi, Seigneur. Prends pitié. Prends pitié. Prends pitié. Tu sais, Père, que l'humanité a besoin de ta miséricorde. C'est pourquoi tu l'as rendue disponible. Tu as dit qu'elle sera toujours disponible, tous les jours, à chaque instant. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Parce que je sais que ce n'est pas ton projet pour mon époux. La cécité n'est pas ce que tu as prévu pour lui. Mais tu as dit que tu as des projets de bienveillance pour nous et non des projets de malheur. Père, oh mon père, regarde-moi. Regarde le désir de mon cœur. Satisfais-le, Seigneur, je t'en supplie. Père, tu as dit dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 13, que tout ce que je vais demander en ton nom, Père, tu le feras. Père, tu as dit que tout ce que je vais demander en ton nom, tu le feras pour que le nom de ton Père soit glorifié. Papa, je fais appel à toi parce que je n'ai personne d'autre vers qui me...
Je sais que j'ai péché, papa, et je ne peux vraiment pas nier ce fait. Mais j'implore ta miséricorde. Papa, tu sais bien que je t'ai servi pendant tout ce temps, avec tout mon cœur, avec chaque fibre de mon corps, avec chacune des parties de mon être. Je n'ai pas d'autre Dieu en dehors de toi, Seigneur. Seigneur, exauce ma prière. Père, même si tu ne peux pas lui rendre la vue, Seigneur, prends la mienne. Seigneur, prends la mienne. Prends la mienne et donne-la lui. Prends la mienne et donne-la lui. Je ne peux plus m'asseoir et le regarder disparaître, Seigneur. Seigneur, il souffre. Laisse-moi porter cette croix pour lui. Laisse-moi porter cette croix pour lui. Laisse-moi porter cette croix pour lui, mon père, mon père. Laisse-moi porter cette croix pour lui. Je peux voir. Je peux voir. Hey! 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 Né! Né! Lève-toi! Lève-toi vite! Regarde! Regarde! Lève-toi! Né! Je peux voir! Mon amour! Hey! Je peux voir! Pourquoi est-ce qu'il fait noir? Pourquoi est-ce qu'il fait noir? Il y a de la lumière dans tous les endroits. Le jour s'est déjà levé. Comment le sais-tu? Eh bien parce que je le vois. Je peux voir. Bébé, tu peux voir. Je peux te voir. T'étais en bière, un t-shirt blanc, puis avec des motifs fleuris, bleus, et puis une robe noire. Bébé, tu peux voir. Je suis contente pour toi. Oui, je peux voir. Tu peux juste aller à la cuisine, faire tes travaux du matin, vu que c'est déjà le matin, et puis tu reviens et nous allons célébrer ça, d'accord? Bébé. Je ne peux pas te voir. C'est un mensonge. Non, 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 mais ouvre les yeux. Regarde ma main, regarde mes doigts. C'est combien de doigts? Vas-y, dis-moi, combien de doigts j'ai? Tu... Bébé, je ne peux rien voir. Non, pas ma femme. Mais bébé, toi tu peux voir. C'est une bonne chose. Nous devons fêter ça. Tu peux voir. Dieu a exaucé nos prières. Bébé. Je suis si contente. Non, tu ne peux pas me faire ça. Non, c'est quel genre de chose? C'est quel genre de chose? Non, Dieu, Bébé, arrête. Ne demande pas à Dieu pourquoi. Mais pourquoi pas? Arrête. Le plus important, c'est que Dieu a écouté tes prières. Il a écouté mes prières. Il t'a fait grâce de retrouver la vue. Il a ses raisons. Peut-être qu'il t'a remis la vue parce qu'il sait que tu es le chef de famille. Et il sait que tu dois prendre soin de ta famille. Tu dois prendre soin de nous. Alors s'il te plaît, ne le questionne pas. Quel genre de Dieu est-il? Non, ne dis pas ça en ce qui concerne Dieu. Quel genre de Dieu? T'en y reprends! Bébé, ne dis pas ça. Ce n'est pas ce genre de Dieu qu'il devrait être!
Arrête! Ne parle pas de Dieu de cette façon. Ne parle pas de Dieu de cette façon. C'est un Dieu qui connaît tout. Et il a un plan pour chacun d'entre nous. Il est méchant! Il est méchant! Non, ne dis pas ça. Arrête! Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Arrête ça. Arrête ça. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Bébé, arrête. S'il te plaît. Bébé, arrête de pleurer. Arrête. Non, tu ne mérites pas ça. Personne ne le mérite. Personne ne le mérite. Il sait ce qu'il fait. Et à son moment voulu, il fera ce qui est juste. Ah non. Il a un plan. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Bébé. Bébé, arrête de pleurer. Donc ma femme est aveugle. Arrête de pleurer. Bébé, arrête de pleurer. Non! Bébé, arrête. Bébé, arrête de pleurer. Non! Domo! Non! Domo! Non! Domo! Non! Domo, qu'est-ce que tu fais? Non! Non! Domo! Non! Domo! Qu'est-ce que tu fais? Domo! Vas-y, assieds-toi. Assieds-toi juste. Juste là. Vas-y. Voilà, passe-moi ta canne. Voilà. Merci. Je t'en prie. Chérie. Chérie, t'es toute belle. C'est bon, tu vas bien? Je vais bien. Ok. Ok, t'es sûr? Tu ne veux pas que je t'apporte quelque chose à manger? Disons, l'eau pas? Ou quelque chose d'autre, peut-être. Ça va, alors, je vais bien. Ok. Je suis assis à côté de toi. Chérie. Es-tu sûr que ça va? Ah, Domo. Tu m'as demandé si j'allais bien plus de 10 fois aujourd'hui. Je vais bien. Ok. Tu as pris le temps de me laver. Tu m'as nourri. Tu as presque tout fait pour moi. Bien sûr que je vais bien. Je vais bien. Ok. Es-tu à l'aise où tu es assis? Tu es sûr que ça va? Oui, je vais bien. Laisse-moi m'asseoir là-bas. Je vais m'asseoir à côté. Parce que j'ai senti que tu étais mal à l'aise. Je parle. Tu vas bien? Do, arrête. Tu m'as déjà posé cette question. Je vais bien. Arrête de t'inquiéter. Du moment où je suis avec toi, je vais bien. Je sais. Tokudosier. Grande soeur Agatha. Hey! Donc c'est vrai ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que t'as entendu? C'est vrai que tu peux voir à nouveau? Ah, il s'agit de ça. Je peux voir. Tu peux me voir, qu'est-ce que je fais? Ma soeur, tu balances tes mains comme ceci. Odio yozo, otutu kakara. Odio yozo, otutu kakara. Je suis contente, j'ai gêné. Je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Je gênais oui. Et priais pour toi. Oui, je sais, je sais. Gloire à Dieu. Alléluia. Ma soeur, ma soeur. Sœur Agatha, bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ma soeur, maintenant que tu es assise, permets-moi d'aller te chercher quelque chose à boire. Dis-moi ce que tu aimerais boire. Je ne voudrais rien, donne-moi juste de l'eau.
Sœur, et de l'eau? Sœur, tu n'es pas venue chez moi depuis très longtemps et tu viens, tu demandes de l'eau? S'il te plaît, frérot, donne-moi juste de l'eau. Je contrôle ma ligne. Tu n'as pas remarqué que j'ai perdu tes kilos? Ah, ma sœur, toi avec cette histoire de perdre du poids. Je dois brûler toutes ces graisses de porc. J'étais sur le point de laver ceci avant que tu n'arrives. Alors, juste après, je te rappelle de l'eau, ok? Bébé, j'arrive. Merci, frérot. Ma sœur, bienvenue. Ma sœur, on s'attendait à te voir quand Dozier a eu cet accident. Mais tu ne t'es pas montrée. Mitchell Gaillant. Donc, tu veux surveiller mes faits et gestes? Pour que tu puisses connaître où frapper et sucer mon sang. Non. Amosu. Non, ma sœur. Mbao. Mba. Ma sœur, désolée. Désolée pour toi-même. Biak. Chikaima. Ma sœur. Comment se fait-il que le même jour où mon frère a retrouvé la vue, tu as perdu la tienne? Ma sœur, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme tu vois là. Mais je crois que c'est la volonté de Dieu. Je pense que c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que vous prenez les choses qui ne concernent même pas Dieu et vous le lui mettez sur la tête. Hein? Rien de mal ne vient de Dieu. Pourquoi voudrait-il lancer ce genre de malédiction sur mon frère et toi? Hein? C'est tout simplement Némésis. On n'a toujours pas compris la cause de la première cécité. Hein? Pense-y. Biwageme Kitsiroka. Quelle est la cause de la première cécité? Mon Dieu est vivant. Ma sœur. Voici ton nom. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Chukudosier. Viens, je vais te parler dehors. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Je dois maintenant demander le visa pour pouvoir causer avec mon frère dehors. Non, Donc, je ne peux plus te parler dehors. Ou il faut quelque chose de spécial. Non, ma sœur, je n'ai pas dit cela. Allez, je vais te parler dehors. Ok. Chérie, je reviens, ok? Juste le temps d'écouter ce qu'elle a à me dire et puis je reviens, d'accord? Chukudosier! Oui, Sœurette! Ouais, Sœurette, j'arrive. Oui, ma sœur. Qu'est-ce que tu tiens à me dire que tu ne puisses pas faire devant ma femme? C'est elle que tu appelles une femme? Cette sorcière? C'est elle que tu appelles une femme? Non, sœurette, ne parle pas ainsi de ma femme. Je n'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Kent, regarde. Je suis allée à différents endroits pour poser des questions. Quand tu as perdu la vue, et on m'a dit que la personne qui était responsable de ça allait le payer. Sœurette, je peux accepter n'importe quoi venant de toi, de n'importe qui. Mais alors traiter ma femme de sorcière, ça je ne puis l'accepter. Ferme-la et réfléchis. Comment se fait-il que le jour où tu as retrouvé la vue, elle a perdu la sienne? Je ne sais pas, mais elle n'est pas une sorcière. Elle n'est pas une sorcière du tout. Ce n'est pas une sorcière, Sœurette. Ninonia. Laisse-moi te poser une question. Depuis combien d'années êtes-vous mariés? 5 ans. Est-ce que tu as vu quelqu'un courant dans cette cour disant papa, maman, yayato? Hein? Pas de fruits. Réfléchis. Et c'est la raison pour laquelle tu la traites de sorcière. Écoute, Sœurette, s'il y a quelque chose en quoi je crois et dont j'ai la ferme conviction, c'est qu'il y a le temps de Dieu. Au moment venu et convenu, Dieu va nous donner nos propres enfants. Arrête tout ça, arrête de la traiter de sorcière. Nguano, ce n'est pas bien. Nguano, laisse-moi t'ouvrir les yeux maintenant. Hein? Quand tu l'as épousée, comment était maman? Maman allait bien et elle était bien portante. À peine un an de votre mariage, maman est décédée. Ses parents également, ils sont morts. Oyinatara Boroa? Amusukoba. Utilise ta tête.
Surette. Est-ce que tu penses vraiment? Quelle soit la cause de ma cécité? Eh bien, Lanon. Maintenant, tu poses des questions plus sensées. Écoute. Dieu t'a guéri. Et il a pris ta cécité. Retour à l'expéditeur. C'est une sorcière. Adana. Tati, bonsoir. Frère Ndosier. Tu peux me voir? Je peux voir, non? Tu peux me voir? Ouais. Tu peux me voir? Ouais. Hey, tu peux me voir? Hey, ouais. Où est mon ami? Mais vers l'intérieur. Chica, Chica. Chi. Ada, comment tu vas? Ada. Ada, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu vas? Hein? Qu'est-ce qu'il met? Chi. Akulaona, tu vois ça? Les oiseaux volent en catégorie. C'est comme ça que les membres de leur confrérie se promènent. Ils marchent toujours ensemble, se pavanant de maison en maison. Akuyola, ils ont découvert dans leur confrérie que ton épouse a échoué. Alors ils ont envoyé du renforcement. Elles viennent ici pour te donner le coup de grâce. Regarde comment elle a sauté sur toi. Si ces choses entraient dans ta bouche, Ilala, tu allais être mort. Hey. Agis vite, parce qu'elles sont là-bas dedans en train de monter une stratégie pour bien réussir à sucer tout ton sang. Regarde comment tu as bonne mine. Hein? C'est le bon moment pour qu'elles sucent ton sang. Bagita, my big boy. Donc, ma femme? Ada, hein? Qu'est-ce qu'il mit? Tu ne peux pas me voir? Tu ne peux pas me voir? Ada, pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux même pas voir ma coiffure, ni même ce que je porte. Ada, qu'est-ce qu'il y a? Arrête ça. Arrête ça. Chikaïma. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête ça. Chikaïma, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ada, pourquoi pleures-tu maintenant? Je ne pleure pas. Je me suis réveillée ce matin et je ne pouvais plus voir. Et puis mon mari a retrouvé la vue. Comme tu peux le voir, tu l'as vu dehors. À présent, il peut voir. Je suis si contente. Juste comme ça. Nem, juste comme ça, oh. C'est la volonté de Dieu. Il s'agit de quelle volonté de Dieu? Le fait que tu sois aveugle est la volonté de Dieu. Que Dieu m'en garde. Chikaïma, tu ne peux même pas voir ma jupe. La jupe que tu as achetée pour moi. Laquelle? Laquelle? Chikaïma. Ada, arrête ça. Arrête ça. Je n'aime pas ce que tu es en train de faire. Ce que tu vas venir faire à chaque fois. C'est ce que tu vas venir faire à chaque fois que tu viens chez moi. Je vais t'interdire de venir. Parce que si tu pleures, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est la volonté de Dieu. Me suis-je plus? Tu ne te plains pas. Alors, comment tu vas? Comme tu peux le voir, je vais bien. Ndosier fait pratiquement tout pour moi. Il prend bien soin de moi. Hey. Ada, tu m'as appelé plus d'un million de fois depuis que tu es arrivée. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. Je suis contente que mon mari puisse voir maintenant. Il va prendre soin de moi. Ne t'en fais pas. Non. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est un rêve.
Ada. Eh, où Ndomo. Ndo, où est grande sœur Agatha? Elle ne m'a même pas dit au revoir avant de partir. Ah, ok. Je te rejoins plus tard. Ada, tu ne veux rien pour qu'un d'autre te l'apporte? Je ne veux rien. Es-tu sûre de ne rien vouloir? Je ne veux rien. Ada, arrête de pleurer. Arrête ça. Je sais que tu pleures. Arrête de pleurer. Alors, raconte-moi. Que se passe-t-il? Raconte. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Ton mari est de retour? Oui. Il est rentré. Je comprends. Je comprends. Je sais qu'à chaque fois qu'il est là, tu deviens invisible. Sikaïma, tu ne peux même pas voir mon mari. Ada, arrête. Arrête ça. Tu vas m'énerver maintenant. Je t'ai dit que ça va. Il faut juste t'habituer à ça. Et le moment venu, je sais que Dieu va agir. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. Sikaïma. Dosier. 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 Dodo. Mais où est-il parti? Depuis le matin. Et il ne m'a même pas dit qu'il sortait. Dodo.
Qui est-ce? Dozier, c'est toi? Dozier. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Dozier, je t'appelle depuis. Je n'ai pas su quand tu es sorti. J'étais inquiète. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Pourquoi est-ce que tu cries mon nom de la sorte? Je suis désolée. Je t'entends crier mon nom depuis de l'autre côté là-bas. Tu cries mon nom. Je reviens et puis tu continues de crier. Désolée, je ne savais pas. Tout le temps, tu cries Dozier. Tu peux pas te débrouiller sans Dozier. Hein? Je suis désolée, je ne savais pas que je criais. C'est juste que je te cherchais. Et j'étais inquiète. Hein? Parce que tu ne m'as pas dit que tu sortais. Oh, Bekoyo, Onadigo Kwam. Désolée, oh. Tu criais mon nom. Qu'est-ce que tu veux? Ndo, en fait, c'est... Je ne sais pas. Où es-tu parti? Je t'appelle depuis. Ce n'est rien. J'ai dit que j'étais inquiète. Je ne savais pas où tu étais. C'est pour ça. Tu ne m'as pas dit que tu sortais. Je dois te dire partout où je vais. Si je dois sortir, je dois te demander la permission, hein, c'est ça. Je dois sortir de chez moi, je dois te demander la permission. Madame, je peux sortir? Non, non. Mais je suis ta femme. Ok, bien. Si tu veux savoir, je suis allé voir le chef. Je suis allé lui dire que je suis prêt. Tu te rappelles qu'il y avait un travail qu'il m'avait proposé, mais que j'avais rejeté? Oui, oui. Parce que je voulais aller à Lagos pour travailler. Oui. Je suis allé le voir pour lui dire que j'étais disponible et que je voulais de ce travail. Ah, ok. C'est là-bas que j'étais en fait. C'est bon, t'es satisfaite? Et qu'est-ce qu'il a dit? T'a-t-il donné le travail? Eh bien, Dieu merci, il me l'a donné. Il a dit qu'il ne pouvait pas donner ça à quelqu'un d'autre. Hey! Qu'il voulait le meilleur. Hey! Que vu que je suis disponible, le travail est à moi. Ah, tu vois, Dieu merci. Oui. Tu sais, notre Dieu est incroyable. Amen. Il a une façon particulière de faire les choses. Il fait tout à son heure voulue. Oui. C'est incroyable. Hey! Akwa sinakodacho, akoficho darao. Le travail est à toi. Hey! Ndo, je suis contente pour toi. Ouais. Nem. Ndo, tu es en train de manger? Ndo, je n'ai rien mangé aujourd'hui. Je n'ai même pas encore pris mon bain. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je t'appelais. J'ai faim depuis le matin. Et en quoi cela me concerne-t-il? Tu ne connais pas la route de la cuisine? Tu ne connais pas la route des toilettes où tu es censé prendre ta douche? Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Tu as le courage d'ouvrir ta bouche et de te dire « Je n'ai pas mangé! Je n'ai pas pris mon bain! Je suis devenu ta nounou !» Mais tu sais que tu es déjà comme mes yeux à présent. Aide-moi juste à me déplacer et je vais cuisiner pour toi. Je veux juste que tu me conduises à la cuisine et me donnes le nécessaire. Tu sais que je ne suis pas encore habituée à cette condition. Je suis devenu ta nounou. Est-ce que je suis la cause de ta condition? Je n'ai pas dit ça. C'est de ma faute? Je n'ai pas dit alors, ça. Alors fais ce que tu es censé faire en tant que femme. Hein? Pourquoi est-ce qu'une femme mariée comme toi, qui est mon épouse, ne peut pas cuisiner? Tu attends à ce que je rentre et que je me mette encore à cuisiner? Mendo, tu sais que si je pouvais le faire, je l'aurais fait depuis. Quand je pouvais voir, je n'avais pas besoin de demander à manger pour que je t'en donne. Je prenais mon bain toute seule. Si c'était facile pour moi de le faire, je l'aurais fait. Nasubwa de Waou, je vais cuisiner pour toi. Je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Je vais te débrouiller. Assieds-toi! Pour que tu ailles raconter partout aux voisines que je te donne pas à manger. Ouais, c'est ça. Tu vas te débrouiller. Mange. T'as dit que tu voulais manger, alors mange. Mange vite que je t'en donne un autre. Prends. Va prendre un gobelet, que je te serve du jus. Oh, ok. Regarde où tu marches. Désolé. Regarde où tu marches. Désolé.
C'est quoi ça? Quoi? Non, non, mais dis-moi, c'est quel genre de nourriture ça? C'est quoi? C'est de l'ofati. Ofati? Tu prépares ce genre de nourriture à ton homme? D'accord, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Tu veux me tuer? Te tuer? Tu veux me donner du poison? Non, hé! Tu dis non? Pourquoi est-ce que j'empoisonnerais mon mari? Tu veux détruire mon système immunitaire avec ton tas de sel et de piment? Eh ben non, ok, le piment, le sel. Quand j'ai goûté, j'ai remarqué que le sel était trop. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réduit. Tu l'as réduit? Oui. Et tu as mis du poison pour que je le mange? Non. C'est ça? J'ai pensé que ça avait été réduit. Tu vas manger cette nourriture. Vas-y, lave tes mains. Lave-les. Voilà, mange-la. Commence à manger. Si tu ne finis pas cette nourriture, tu vas me sentir. Tu me l'as fini. Vite, vite, vite! Tu as réduit le sel. Hey. Ouais, tu as réduit le sel, n'est-ce pas? Je ne savais pas que c'était autant sali. Je ne savais pas que c'était comme ça. Maintenant, t'es au courant. Tu n'as pas goûté, mais tu es venu me servir pour m'empoisonner. J'ai goûté avant et c'était excessif. Je l'ai réduit. Ça doit être le fond, puisque j'ai dû tourner la sauce et prendre celle qui était en bas. Ça doit être le fond. Prendre la sauce du bas. Ma chère, mange-la. Je vais recommencer. Si je te gifle, tu vas commencer à voir et manger ce repas. Madame. Mais je ne veux pas manger ça. J'ai déjà mangé. Mange, vite! Je suis en train de manger. Plus vite! Je suis en train de manger. Mange! Dépêche-toi de le manger! Tu veux que je m'en aille pour que tu restes vert, c'est ça? Sorcière comme ça! Vas-y, mange! Foutaise! Elle veut me tuer! C'est moi qui vais te tuer le premier! Étant donné que tu ne veux pas partir de chez moi à cause de ton honneur, si les rôles étaient inversés. Ada. Chi. Ada, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Je vais très bien. Me voici. Chi, kakene. Wadoui mano. Merci. Hey, désolé. Attends, je vais te prendre une chaise. Laisse, je vais m'en occuper. Ok, regarde juste au salon. Il y a une juste à côté. Ok, merci. Ada. Chi. Tu m'as manqué. Je vais bien, et toi? Ma sœur. Comment est-ce que tu t'en sors? Je me bats, ma sœur. Je fais pratiquement tout par moi-même maintenant. Dossier. Dossier est là. Je ne sais pas ce qui arrive à Ndosier. Ndosier a complètement changé de personnalité. Ah, ah. Il reste seulement qu'il me frappe. Que Dieu m'en garde. C'est la seule chose qui lui reste à faire. Il m'a déjà fait voir de toutes les couleurs. Ah, Ndosier. Tchoukou Ndosier. Est-ce arrivé au point où tu veux frapper Suyel pendant que tu montes et tu descends en lui traitant de sorcière? Ada. Ndosier me traite de sorcière? Oui. Ndosier monte et il descend. Disons à tous ceux qui veulent l'entendre que tu es une sorcière.
Dossier. Dossier. Dossier me traite de sorcière. Si, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne te l'ai pas dit pour que tu t'effondres. Non, ne pleure pas. Ne pleure pas, je suis là. Je suis là et tu le sais. Tikaï. Tikaï, ma, une sorcière. Tika, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne suis pas venue pour que... Seigneur, c'est beaucoup trop. Je ne suis pas venue pour te faire pleurer, s'il te plaît. C'est beaucoup trop, Seigneur. Je sais. Hé! Ma sœur... Ada! Tu dois être forte. Ada, Dossier me traite de sorcière. Il ne m'a pas seulement traité de sorcière. Il se balade. Racontant aux gens que je suis une sorcière. Tu n'es pas une sorcière. Hé! Seigneur, ça fait mal. I only pray what seemed to be a roller coaster is gone to earth on. Y a-t-il un problème? Pourquoi y en aurait-il? Non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Salut. Salut. Aïe. Mais... Vous êtes belle. Aïe. Vous êtes la plus... belle femme que je n'ai jamais eu à voir dans ce village. Oh. Une merci. Très belle demoiselle. Oh, vraiment? Megengwa. C'est à cause de vous qu'on a chanté la chanson. Megeng. Mais. Hein? Saviez-vous que si vous étiez un terrain, vous auriez la superficie adéquate pour tracer une route? Waouh. Croyez-moi, vous êtes certifiée femme parfaite. Oh, merci. Vous êtes parfaite, tout simplement. Bon. Même une déesse. Vous jalouserez. Waouh. Mais mon Dieu, regardez-moi ça. Non, mais approchez, approchez. Vous êtes belle. Tout simplement, hein. Coupez le souffle. Oh, merci beaucoup. Vraiment, merci. Hein? Ne me remerciez pas, je suis celui qui doit vous remercier. Hein? C'est moi qui vous ai interpellé et vous vous êtes arrêté. Hein? S'il vous plaît, je ne voudrais pas prendre beaucoup de votre temps. Hein? Je vous en prie. Quel est votre nom? Je m'appelle Oluchi. Hey! Je l'ai dit! Je l'ai dit! Ça, c'est du nom. Hein? Oluchuki demolonage, Olu, Olu, demolonage, Olu, Olu, demolonage. Ça, c'est du nom! Ma très chère, vous avez été créée un dimanche matin par Dieu. Oh. Je vous le dis, vous êtes vraiment la vraie Oluchuki. Oh, vraiment? Ouais. Merci hey. Beaucoup. Désolé. Je m'appelle Dosier. Ah, oh, Dosier. Oui, Dosier. No Keke, Ogono. Oh. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Ok. Ravi de ravi vous rencontrer. De faire votre connaissance. Ravi de faire votre connaissance. Ouais. Alors, je vais... Désolé. J'aimerais vous demander... êtes-vous de ce village? Non, je ne suis pas Oui, je l'ai dit! Je l'ai dit! Comment se peut-il que aussi belle femme comme vous soit de ce village et que je ne sois pas au courant? Que je ne l'ai jamais vue, que je ne l'ai jamais croisée! Donc je le savais! Je le savais! En fait, je ne suis pas d'ici. En fait, je viens de l'un des villages voisins. Et je suis venue rendre visite à ma cousine. Bien.
Bienvenue alors. Merci. Bienvenue dans notre village. Oh. Hein, bienvenue dans ce ouais. village. C'est vraiment cool. Vous oui. aimez le village. Oui. Et comme je vous ai dit, je ne veux pas perdre beaucoup de votre temps. Vous le faites déjà. Encore, juste une dernière petite chose. Ok, je... Il y a une buvette. Une sorte ouais. de buvette? Une grande place dans ce village. Waouh. Oui, où tous les hommes résidant dans ce village, et des grands hommes comme moi, wow. s'y retrouvent. Ok. Ils vendent du Nkobi, du Nkota, et du Wewu, Ngo, Ano, Efi. Ils ont aussi du Anom Bada, même du Nchi, et du Eni, Edi. Tous ces types de viande, wow. sous forme de bouillon. Sous forme oui. de bouillon? As-tu déjà mangé du Malao auparavant? Non. Je... Hey, tu rates quelque chose. Hein. Écoute, je vais me rassurer que tu le manges. Et alors seulement là, tu verras la beauté, la vraie beauté de ce village. Oh, non. Alors, je ne sais pas si tu serais d'accord de te joindre à moi pour que nous allions là-bas nous amuser. Vous allez vous amuser, je vais m'amuser. Je suis d'accord. J'adore voilà. la viande. Voyez, et après tout, nous pouvons y aller. On dit aussi dans mon village que la beauté de l'extérieur reflète la beauté de l'intérieur. Je suis persuadé que ce que je vois là, l'intérieur est bien plus beau que ça. On y va. Je vais aller vous gâter un tout petit peu comme ça et vous souhaiter la bienvenue dans notre village. Okay. Allons-y. Merci infiniment. Ce n'est pas loin. C'est juste là derrière. Oh, pas de problème. Je... Après vous. Non, je vais après vous. N'ayez crainte. Allons-y. Hey. Bienvenue. Merci. Qui est-ce? Dosier, c'est toi? Vas-y, doucement, Wanda. Doucement. Tu tiens debout? Dosier. Qu'est-ce que c'est? Hein? Tout le temps, dosier par-ci, dosier par-là. Ne peux-tu donc pas te débrouiller sans dosier? Hein? Dosier, pourquoi rentres-tu à cette heure de la nuit? Je t'attendais. Désolé. J'essaie de tenir. C'est bon? Fatigué. Tu tiens? D'accord. Ça a commencé quand? Depuis quand? Hein? Depuis quand est-ce que tu as commencé à me demander où je pars, d'où je viens et où je veux partir? Est-ce que ça te regarde? Tu me parles de discuter? Mais de quoi est-ce que nous devons discuter? Dosier, tu es avec quelqu'un? Oh, laisse-moi m'asseoir. Qui est-ce? Qui est-ce qui parle? Dosier, il s'agit d'une femme. Oui, c'est une femme. Oui, c'est une femme. C'est une femme qui parle. C'est une femme. Doucement. Dosier, vous êtes saoul? Non, nous sautons. Nous sautons juste d'un endroit à un autre. En quoi est-ce que cela te regarde si c'est une femme? Ce sont tes affaires? Hein? Dosier. Dosier. Hein? Dosier, tu ne me respectes plus. Dosier, ce n'est pas assez que tu te balades dans tout le village en leur racontant que je suis une sorcière. Maintenant, tu vis avec une femme chez nous. Dosier, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, Dosier. Attends, j'arrive. Attends-moi, là. J'arrive, je reviens. Non, attends, j'arrive. Ok. N'es-tu pas une sorcière? Hein? Est-ce que t'es pas une sorcière? Grande sorcière. Attends, as-tu dit nôtre? Nôtre? Dosier, tu me traites de sorcière? Moi, Tikaïma? Ouais, et alors? Est-ce que tu n'en es pas une? Oui, tu es la grande maîtresse des sorcières. Dis-moi seulement qui devient aussi subitement aveugle. Qui, aussi soudainement, devient aveugle? Comme ça, d'un coup. Hein? Et puis tout d'abord. Un bébé. Alors, viens, on va à l'intérieur, ok? Allez, viens. Viens. Essaie de tenir sur tes jambes, ok? Dosier, où est-ce que tu l'amènes? Mais à quoi elle veut jouer celle-là? Dosier, tu l'amènes dans notre chambre? Où est-ce que je l'amène? Eh bien, je l'amène dans une agence.
pour qu'elle puisse prendre un bus et rentrer à Lagos. Tu ne vois pas que je la mets dans ma chambre et dans notre chambre? Est-ce que j'ai construit cette maison avec toi? Hein? Dossier, ce n'est pas juste. Vieille sorcière. Tout doucement. Ce n'est pas juste, Dossier. Je m'en fous. Si ceci n'est pas juste. Est-ce que je t'ai dit que je t'aimais? Je t'aime aussi. Je te l'ai dit. Dossier, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est juste, pas juste. Reste là. Ce n'est pas juste, Dossier. Mais pourquoi est-elle au sol? Mon bébé, viens, on s'en va. Si elle veut qu'elle meure là. Non, tu dois l'aider. Et pourquoi? Tu ne vas pas l'aider? Tu ne vois pas qu'elle est confortablement là au sol? Allez, on y va. Ok. Tiens, je suis là. Tiens. Tiens. Tu vas bien? Tiens. Dossier, quelqu'un vient m'aider. Dossier. Tiens. Tiens. Oh mon Dieu. Tiens. Eh wow, qui est là? Si tu veux plus de bouteilles, hein? On va en emporter. Garce, tu veux du bouillon? Oui. Quel bouillon? Amézi ou Kobe? Lequel des deux voudrais-tu? Du bouillon. Avec quel type de viande? Peu importe, je ne sais pas. Je t'ai dit qu'ils ont du Kobe. Ils ont du Mbada. Ils ont du Nji. Ils ont même la viande de crocodile. La viande de bœuf. Je veux juste de la bonne viande de bœuf. La bonne viande. Nketi! 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 Viens, oui, le meilleur client. Allez, dépêche-toi, au petit trot. Oui. Mon bébé ici voudrait du bouillon. Vous allez se le préparer avec une bada. Oui, et la queue de bœuf. De la queue de bœuf? Oui. Je te l'ai dit. Tout ce que tu veux est ici. Même si c'est de la queue de chameau que tu veux. Je veux la queue de bœuf. Ok. Tu fais vite. Combien de plats? Tu vois combien de personnes assises ici? Tu veux nourrir toute la communauté? Ok, j'arrive. Bébé. Merci. Hey, écoute, à te voir boire. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui sort de la ville et quelqu'un qui sort du village. Les villageois sont comme ceci. Oh mon Dieu, t'es vraiment drôle. C'est pour cela que je savais que tu allais m'aimer. Apporte ça ici. Donne-lui le plus gros morceau. Je ne veux pas m'amuser avec mon bébé. Qu'est-ce que c'est? Comment tu peux sortir? Donne-lui le plus gros plat. C'est bon, va-t'en. Bébé, merci. Mange autant que tu voudras manger, ok? N'importe quelle viande que tu veux dans ton bouillon, on va te la porter, ok? Rassure-toi, je suis là. Non, mange. Ça a l'air bon, hein? C'est un bon gros morceau, hein? Mange. Mange doucement. Oui. Hein? C'est pour toi, hein? Ça a l'air tellement bon. C'est vraiment délicieux. C'est bon, tu dis? Je vais goûter à mon tour. Tu sais que normalement, c'est toujours les dames d'abord. Je t'ai dit que cette femme, c'est la meilleure cuisinière. Je te le dis. Je t'avais dit que cet endroit, c'est le meilleur. C'est vraiment délicieux. Autour de toi, tu verras de grandes personnalités. Mais fais pas attention à celui qui porte des babouches. C'est comme ça qu'il fait quand il vient. Il a beaucoup d'argent. Ce n'est pas un idiot. Mange. Hey! Quoi donc? Fia! Dossier! Chiclo! Donc, Dossier, c'est ici que tu es. Donc, tu es assis ici pendant que ta femme est à l'hôpital. Depuis des semaines, tu refuses de venir la voir, Dossier. Qui est-elle? Ta sœur?
Est-ce que moi je peux avoir ce genre de sœur? Non, mais... Hein? Est-ce que tu sais que tu es en train de déranger mon moment de tranquillité avec l'amour de ma vie? C'était quoi? Tu m'as suivi! Hein? Est-ce que tu sais que tu es en train de nous déranger? Tu ferais mieux de fermer ta bouche et de t'en aller d'ici. Hey! Viens! Viens toi-même! Il fait l'homme nous. Et je renvoie également sur toi! Que se passe-t-il ici, Ndoso? Il fait la nommer Kogi! Il m'aime pas! Tu es là, assis ici, en train de t'amuser avec cette prostituée! Eh? Akunakin est mort! Et puis? Je vous demande pardon? Sais-tu qu'elle portait ton enfant? Hein? Et puis? Quel enfant? Hein? Et puis? Elle portait mon enfant ou c'était Jésus-Christ? Et allait-elle donner naissance à Jésus? Dossier! Tu es cruel! Akimiri! Dieu seul va te juger! Il va te juger aussi! Dieu va te juger aussi! Il va te juger! Tous ces plans que vous avez planifiés pour me rendre aveugle, pour que je ne puisse plus voir, ça ne s'est pas retourné contre vous! Hein? Et c'est toi qui veux me faire la morale! Et t'as l'audace de te ramener et de venir me parler! Je t'ai dit que j'étais marié! Dossier! Hein? Est-ce que je t'ai dit ça? Qui t'a rambouqué? Hein? Qui est-elle? Est-ce le nom d'un endroit, d'un animal ou d'une chose? Hein? Hein? Quelle est cette histoire comme quoi je serais marié? Cette femme qu'on appelle Tikaima est une sorcière. Une très grande sorcière. Une sorcière? Oui! Non, dossier! Reste assis! Amuse-toi bien! J'ai pitié de merci toi! Bien. J'ai pitié de j'ai toi! J'ai aussi pitié de toi! Ne t'en fais pas! Ce qui va tomber sur toi est en train de se préparer! Et quand il sera prêt, tu l'auras à une dose totale! Ça va également je te le promets! Dessus. Reste là-haut! Ouais, reste je m'en là. Fous! Reste là et tu amuse-toi! Tu seras pas également épargné! Amuse-toi avec cet akula, Nemuta, Pesuninu! Il fait le wagime boki! Ouais, dispose! Oui, mon amour! Non, mon cœur détrompe-toi! Comment je peux laisser la mort de ma vie toute seule? C'est carrément impossible! Non! Viens! Je suis très heureux d'être avec toi. Oui. Moi aussi. Hey, c'est nourriture. C'est nourriture, hein. C'était tellement délicieux. Et tellement... Mon amour. Il y a une chose dont j'aimerais te parler, mais... Je ne sais pas si ça te plaira. Parle, peu importe ce que c'est. Vas-y, parle. Je suis enceinte. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis enceinte. Juste comme ça? Oui. Tu vois, je savais que tu n'allais pas aimer. Voilà pourquoi je ne voulais pas te le dire. Tu vois? Ça ne va pas me plaire? Oui. Qui te l'a dit? Je suis content! T'es enceinte? Oui. Comme après qu'on est... Attends, viens, viens, viens. Approche, approche, viens, viens. Attends, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi. Ne stresse pas. Faut pas que tu stresses, ok? Mon garçon... C'est ton papa qui est là. Ce n'est pas un garçon. Mais une fille. Ça, c'est il. Il et il. C'est une fille. Non, pas de problème. Tout ce que Dieu nous donnera, nous le prendrons. Oui. Que ce soit un garçon, bien. Que ce soit une fille, bien. Garçon, garçon, bien. Fille, fille, bien. Garçon, fille, nous le prendrons. Je te l'ai dit, il ne faut plus que tu stresses, ok? Attends. Laisse-moi te montrer. Oui. J'adore ce village. Il est trop cool. Alors, maintenant je suis un homme. Oui. Oui, je n'en reviens pas. Hey, attends, 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 attends.
Maintenant, ne stresse plus du tout, ok? Ok. Tu m'as suivi? Si t'as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi et je le ferai pour toi. Je préparerai pour toi. Je laverai tes vêtements. Je prendrai soin de toi. Aussi long que mon garçon, notre bébé. C'est ok? Oui. Hein? T'es sérieux que tu feras tout pour tout moi? Tout ce que tu voudras. Sois-en sûr. Okay. Et si je te demandais de me porter sur ton dos là maintenant? D'accord, avec plaisir. Où est-ce que tu veux que je t'emmène? Monte sur mon dos. Merci beaucoup. Ah, non, je suis celui qui devrait te remercier. Vraiment? Pour me donner l'espoir d'un futur bébé garçon. Je voulais dire d'un futur bébé enfant. Ce n'est pas grave. Je n'oublierai plus. C'est pour cela que je t'aime autant. J'aime tellement pouvoir faire tes manières. C'est tellement belle. Merci infiniment. Beauté africaine. Encore ces manières. C'est gentil. Comme ça, tu vas continuer de sourire dans ma maison. Oui. Rien ne te rendra triste. Ne t'en fais pas. C'est d'accord. Tu vois pourquoi je t'aime, hein, tu vois. Tu vois. Hé, ma chérie. Merci beaucoup, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu as changé de mine? Il y a un problème. Un souci? Oh oui. Dis-moi, quel est le souci? T'es pas allé voir, mais... Tu sais, nous ne sommes pas mariés. Et t'es pas allé voir mes parents. C'est pour ça que tu as changé de visage. Et c'est pour cela que tu affiches cette expression faciale. Souris-moi. J'ai pas de raison d'être triste. Tu souris, voilà, oui. Tu vois, tu réussis facilement à me comprendre. Hein. Ne t'en fais pas. Hein. Je vais bien me préparer pour aller payer ta dot. Je vais aller la payer et tu seras ma femme. Vraiment? Oh oui. Je ne sais pas où t'étais tout ce temps. Hein. Sinon, je n'aurais pas épousé. Cette chauve-souris. Hein? Tu vois? Nous serons très heureux, toi et moi. Écoute, nous sommes mariés depuis 5 ans. Et pas le moindre petit enfant. Je l'ai même supplié que donne-moi un fou comme enfant. Ouais, que Dieu m'en préserve, mère, c'est ton enfant. Hein? Mais je sais que je porte ton enfant. Ouais, je sais. Aïe. Oh, ça, c'est une princesse qui va naître. Oui. Le roi d'Angleterre. Ils sont trouvés dans ton ventre, là. Oui, bébé. Attends, allons-y doucement. Le premier pied, le premier pied. Voilà. Le deuxième. Ok. Chi? Hein? Je ne sais pas pourquoi tu as insisté pour revenir ici. Et où veux-tu que j'aille? Chez moi. Et pour combien de temps? C'est mon foyer ici. Je dois me battre pour mon mariage. Mariage? Il n'y a pas de raison de se battre pour un mariage. Il n'y a pas de trophée à gagner. C'est une entente. C'est une entente mutuelle. Donc t'es rentrée vivante? Hein? Chikaima, pourquoi as-tu décidé... Oh Dieu! Dieu, pourquoi est-ce que t'es pas juste morte dans cet hôpital? Pourquoi est-ce que t'es pas juste morte et me laisser enfant tranquille? Pourquoi est-ce que t'es pas morte? Dossier, moi, mourir. Uh-huh. Tu me détestes à ce point. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Et pourquoi ne pas? Hein? Es-tu en vie? Qu'est-ce que la vie sans la vue? Chauve-souris. De toutes les façons, laisse-moi te donner une information primordiale, en avant-première, comme dirait-on. Je suis désormais marié à ma magnifique Olotie. Mon cœur, oui. Ma tendre lumière. Oui. Et pour ton information,
Nous attendons notre premier bébé garçon. Non, une fille. Ok, quoique, notre premier enfant. T'as suivi? Dosier. Ok, je sais. Dosier. C'est ta signature. Pleurer. Juste comme ça. Ce qui veut dire quoi? Oh. Tu as épousé quelqu'un d'autre. Un instant. Tu t'attendais à ce que je reste là? Attendre qu'une vieille chauve-souris comme toi revienne. Revienne pour que je l'épouse. Tu ne me sers à rien. Et après 5 années, je t'ai tant supplié. Donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Même si c'est un imbécile. J'assumerai. Oh, non, ma mère. Est-ce que tu m'en as donné? Celle-ci n'a pas perdu de temps. Bim. Elle est enceinte. Non. Hein? Ça va, ça va. Laisse-moi te dire une chose. En fait, qui t'a donné le droit de me poser ce genre de questions? Qui t'a permis de me poser les questions du genre qui je vais épouser, quand je vais les épouser et où je vais les épouser? Pour ton information, elle est enceinte. Tu ferais mieux de bien la traiter. Prendre soin d'elle. Vu que t'as décidé de revenir à la maison, c'est maintenant ton devoir. Prendre soin d'elle. Mm-hmm. C'est bon, t'as tout compris? Mm-hmm. Ok, peut-on partir maintenant? Oui, mon amour. Viens. Okay. Ouais, si tu veux, on ne peut jamais ça. Sorcière. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête de m'appeler. Dosier. Mon amour. Je ne veux pas que tu restes ici. Ne reste pas ici. Calme-toi. Regarde-moi ça. Tu sais que tu peux venir rester chez moi. S'il te plaît. J'ai sorti ton ami de chez moi. C'est très bien, tu es la bienvenue de chez moi. Qu'elle libère de chez moi. Je m'en fous. Je vais la voir hors de chez moi. Arrête, s'il te plaît, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas que tu viennes ici. J'ai, s'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi, ok? Pourquoi tu te fais ça, pourquoi? Pense à ta santé, tu sais, tu ne te sens pas bien. S'il te plaît, essaye de te lever, calme-toi, s'il te plaît. Adana, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? S'il te plaît, lève-toi. Adana, dis-moi, qu'est-ce que... Tu n'as rien fait. Qu'est-ce que je fais? Non, tu de mal? Fais-moi qu'est-ce confiance. Que je fais? Tu n'as de rien mal. Fait de mal. Dis-moi, Adana, qu'est-ce non, que ça fait de mal? Tu n'as rien fait. Ne l'écoute pas, tu. Pourquoi ne l'écoute pas, s'il te plaît. Ne l'écoute qu'est-ce pas. Qu'est-ce que ça vient pu lui faire? Ne l'écoute pas. Pourquoi? Tout ce qu'il dit est faux. Ne l'écoute pas. Pourquoi? S'il te plaît. S'il te plaît. Shikaima, ou peu importe comment on t'appelle, s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau à boire. Parce que j'ai soif. Sale aveugle, je m'adresse à toi. N'importe quoi. Comment est-ce que tu m'as appelé? Sale aveugle. Tu ne l'es pas. Oluchi. Oluchi, tu es chanceuse que je ne puisse pas te voir. Tu es chanceuse que je ne puisse pas te voir, sinon je t'aurais montré... Tu m'aurais montré quoi? Tu ne peux rien me faire. Sale aveugle. Oluchi, sors de ma maison. Sors de ma maison. Oluchi. Ne me touche pas. Oluchi, je suis désolée, je ne voulais pas faire ça. Désolée, je t'en prie. Mon bébé. Oluchi. Oluchi. Laisse-moi tranquille. Oluchi. Dosier. Oluchi. Dosier. Oluchi. Dosier. Dosier. Mon enfant. Oluchi. Dosier. Oluchi. Oluchi, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas faire ça. Désolée, Oluchi. Oluchi. Dosier. Oluchi, comment passe-t-il? Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Oluchi. Mon bébé. Calme-toi. Mon bébé. Oluchi. Oluchi. S'il vous plaît, à l'aide. Mon bébé. Oluchi. Vas-y, sors de chez moi. Sors, j'ai dit sors, sorcière. Dossier. Sors. Dossier. Va-t'en. Dossier, arrête. Va-t'en. Dossier, pourquoi tu...
tu me fais ça? Va-t'en! Dossier! N'essaye pas! Dossier! Dossier! Prends, dossier! Où veux-tu que j'aille? Dossier! Va-t'en! Va-t'en de chez moi! S'il te plaît! Sorcière! Drogue prêtresse! Dossier, ne me fais pas ça! Dossier, où veux-tu que j'aille? Dossier! Va là-bas! Sors! Ah bon? Oh! Donc tu connais où se trouve la porte? T'es une sorcière! Va-t'en! 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 Dossier! Dégage! Je t'ai dit de dégager de chez moi! Dossier, pour l'amour de Dieu! Va-t'en! Tu n'as pas pu me donner un enfant! Je t'en prie! Et maintenant, tu vas venir retirer celui que j'ai mis! Je ne fais pas ça! Et tu ne savais pas quoi? Dégage de chez moi! Dégage de chez moi! Ne me touche pas! Va-t'en, ne traverse plus cette zone! C'est la limite! Ne me touche pas! S'il te plaît, dégage! Dégage! Dossier! Va-t'en! Sorcière! Chauve-souris! Dossier, je t'en prie, ne me fais pas ça! Je t'ai dit de ne plus me toucher! Dossier, s'il te plaît! Dossier! Vraiment, tu n'importe quoi! Aïe! Mon cœur! Mon bébé, désolé, ne pleure plus! Que j'essaie encore de te trouver là! Mon cœur! C'est ok. Ok, mon cœur. Mon amour à moi. L'amour de ma vie. C'est bon, je l'ai chassée de la maison. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Elle ne te fera plus jamais de mal dans cette maison. Plus jamais. Ce n'est qu'une pauvre idiote. Je ne sais même pas ce qu'elle a. Est-ce que c'est forcé le mariage? Hein? Est-ce que ça peut ramener mon bébé? Est-ce que ça peut me ramener mon bébé? Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, ok? On va recommencer à travailler. Pour ça, tu ne devrais pas t'en faire. Je suis fort. Hein? On recommencera. Regarde, vu que c'est Dieu qui nous a donné le premier, oui, il va encore nous en donner. Et même des triplés. Hein? Je ne sais même pas pourquoi tu pleures. Oui, oui, vas-y, vas-y. Tu lis ça pour essuyer ton visage. Ah. Mon bébé, désolé. Je ne lui ai rien fait. Je sais. Rien du tout. Je sais. J'étais dans mon coin. Elle a commencé à m'insulter. Oui. À me traitant de tous les noms. Et je lui ai dit... C'est de sa faute. T'as arrêté de m'insulter. Ce n'est qu'une sorcière. Tu me connais. Je sais. Tu sais que je n'aime pas les problèmes. C'est pour cela que je t'aime. Hein? Je faisais genre... Je dis arrête de m'insulter. Mais avant que tu ne m'en rendes compte, je... Quoi? Oui. Elle a fait. Elle a fait. C'est ce qu'elle m'a fait, oui. To be a roller coaster, return to earth, return to my flesh. Where did I go wrong? What have I done now? My hands are tied. I need to know. Oh, where did I go? My hands are tied. I need to know. Père, mon père.
pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi. Rends-moi ma vue. Prends pitié de moi, car je sais que tu te soucies de moi. Et tu as vu à quel point j'étais stupide. Mais parce que j'étais ta fille, tu as répondu à ma prière. Car tu as dit, pourquoi ta fille demande du pain et tu lui donnes pierre? Père, je ne veux plus de la pierre. Père, je demandais la pierre en pensant que c'était du pain. Père, je veux retrouver ma vue à présent. Qu'un dossier au Kutsuku puisse récolter les fruits de son travail. Père, qu'il paie pour tout ce qu'il a fait comme mal à ta fille. Venge-moi, Seigneur, venge-moi et prends pitié de moi. Venge-moi. Venge-moi. Je n'ai personne vers qui me tourner. Je ne sais pas où aller. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Envoie-moi un sauveur. Envoie-moi un sauveur, Seigneur, je t'en prie. Aie pitié. Prends pitié. Qui a éteint la lumière? Un outil. Lève-toi et va allumer la lumière. J'ai envie d'aller uriner. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'aimes déranger? Tu ne vois pas? Mais comment je peux voir? Comment veux-tu que je vois sans lumière? Habituellement, je garde toujours la lampe à côté de moi, au cas où on coupe le courant et que j'ai envie d'aller uriner la nuit. Tu plains ce matin? Que veux-tu dire? Mais c'est déjà le matin, non? Tu ne vois pas? Pourquoi t'aimes déranger? Le matin? Comment ça, le matin? Je suis celui qui devrait te demander si tu planes. C'est noir partout. Hein? Mais on a coupé le courant. Tu étais censé laisser la lampe ici, au cas où quelqu'un voudrait aller au petit coin d'à côté. Ah! Mais moi, je vois! Oui! Tu peux voir? Mais que se passe-t-il? Tu peux voir? Hein? C'est déjà le matin, donc tu vas aller uriner. Oluchi, je ne peux pas voir. Hein? Je ne peux rien voir. Attends, t'es sérieux? Comment ça? Je suis aveugle. Attends. Regarde ce que je fais. Regarde, fais comme moi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux rien voir. C'est vrai. Je suis aveugle. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis aveugle. Je suis aveugle. Mais comment est-ce que ça se fait? Je comprends pas. Je suis aveugle encore une fois. Je ne peux rien voir. Luigi, je t'en prie. Attends. Lève-toi d'abord. Hey. Lève-toi. Oh mon Dieu. Viens. T'es où? Je suis là. Où ça? Ok. Où vas-tu? Hey. Je suis aveugle. Dossier, c'est l'une de tes blagues. Je n'aime pas du tout ça. Alors, attends, tiens-toi d'abord là. Comment est-ce que je peux être en train de blaguer? Comment? Hein? Laisse-moi partir. Mais où est-ce que tu regardes? Adana, comment tu vas? Okay. Je vais bien. Non, elle n'est pas à côté. Oh, elle est sortie? Je ne sais pas où elle est.
grand frère Dosier. Adana. Tu vas bien? Adana. Je suis aveugle. Comme je te parle là, je ne peux même pas te voir. Le sang de Jésus. Tu es quoi? Comment? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Je me suis réveillé comme ça. Je me suis réveillé comme ça. Tout était noir, je ne pouvais rien voir. Qu'en est-il de Tikeima? Non. La vérité, en fait, c'est que... Je l'ai mise à la porte la nuit dernière. Quoi? Qu'est-ce que tu viens juste de dire? C'était sur le coup de la colère. C'était la colère? Oui, c'est que elle a tapé sur Oluti. Et elle a frappé Oluti sur son ventre avec son bâton. Tu es méchant! Tu es très très méchant! Tu as mis une femme aveugle hors de chez toi! Comment as-tu pu? Adana, ce n'est pas du tout ce que tu penses. C'est quoi? Tu es très très méchant. Tu es très cruel. Après tout ce que mon ami a fait pour toi, tu as eu le toupet de la jeter hors de ta maison. Pourquoi ne l'as-tu pas amenée chez moi? Tu aurais dû venir avec elle chez moi si tu étais fatigué d'elle. Je le jure. Si quelque chose lui arrive. Oh, je n'ai même pas besoin de jurer. Parce que Dieu est déjà en train de te punir pour tous tes méfaits. Hey. Espèce de sale monstre. Hey. Regarde-toi. Mikoufagou. Anyamanamokwaboué. Idiot. Ada. Si quelque chose lui arrive, tu verras ce que je vais te faire. Je la ferme. Je t'en prie. Au cas où tu la vois, nous ne sommes pas encore en arrivée là. Bon sang. Dosier, c'est quoi ça? Pourquoi tu versais de l'eau au sol? Je veux dire, qu'est-ce que cela signifie? Je m'adresse à toi. Tu finis de manger et tu verses l'eau au sol. C'est comme ça que ça se passe? Hey. Hein? Le fait que tu sois aveugle ne veut pas dire que tu ne réfléchis pas. Un enfant donne un dossier. Même un enfant doit annoncer que lorsqu'on finit de manger, on range tout. Au lieu de mettre ça partout et verser de l'eau au sol. Dosier, le mariage n'est pas forcé. Parce que je suis déjà fatiguée, travailler pour toi, prendre soin de toi, me soucier de toi. Foutaise. Oh. S'il te plaît, je suis désolé. C'est juste parce que, tu sais, je ne vois pas. Quand j'ai fini de boire de l'eau, je ne savais pas où le déposer. Tu ne savais pas? Dossier, tu ne savais pas où mettre le gobelet, mais tu connais mettre la nourriture dans ta bouche? Je t'ai dit, hein? J'étais désolé. Si je te laisse, on dira que je suis mauvaise. Que je suis mauvaise. Dossier, je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta mère et je ne suis pas ici pour faire du babysitting. Tu m'as suivi? Va chercher ta femme. Oui, va chercher... Oh, va chercher ta stupide sœur qui reconnaît qui est sorcier et qui ne l'est pas. Foutaise. Mon amour, calme-toi. Je suis désolé. Arrête de me dire toutes ces choses. En fait, tu vois ça? Tu vas les suivre. Tu les sueras. Si t'es aveugle, tu verras de force aujourd'hui. Non, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais me débrouiller pour essuyer. Tu sais que je n'aime pas. Quand t'es fâché, ne te fâche plus. Hein? J'aime pas ça. Tiens, voici la serpillère. Nettoie-moi ça avant que je ne revienne. Ok. Tout sera propre. À ton retour, ok? Je vais me débrouiller à nettoyer.
chérie. Chérie. Ma chérie. Oh, bim. Hey. On dirait qu'elle est sortie. Ce médicament que j'ai pris ne marche pas. Ma fièvre ne fait qu'augmenter. Chérie! Chérie, s'il te plaît, viens me chercher à l'intérieur. J'ai de la fièvre. Vraiment. Jerry. Dossier. T'étais là. J'étais là et puis quoi? Dossier, que... Oh, dossier, tu m'as tué. Non, je ne peux plus supporter. Non. Dossier, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je t'ai fait dans cette maison? Pourquoi est-ce que tu vomis sur moi? Ce n'était pas dans mon intention. Ce n'était pas mon intention de vomir sur toi. Je t'ai payé pour que tu m'aides à sortir. Mon bébé, s'il te plaît, je te prie, ne te fâche pas. Je te prie. Dossier, non. Dossier, je suis fatiguée de tout ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne te fâche pas. Je vais dans la chambre pour ramasser mes affaires. N'importe quoi. Chérie. Non, je t'en prie, ne pars pas. Ne pars pas, je vais te nettoyer. Ne pars pas, je vais te nettoyer. Je vais te nettoyer. Je vais te nettoyer. Tu es où? Je vais te nettoyer. Chérie, reviens. Je vais te nettoyer. Je vais le faire. Je vais te nettoyer. Ma chérie. Laisse mon sac, je t'en conjure. Reste. Tu es tout ce que j'ai. Je n'ai personne. Si tu m'abandonnes, je me trouve. Meurs. Si tu veux mourir, meurs. Laisse-moi tranquille. Foutaise. Écoute, laisse-moi te dire. N'ose plus jamais qu'aujourd'hui soit la dernière fois que tu m'appelles encore ton stupide amour. N'importe quoi. Autre chose. Non, ma chérie. Ma famille te remboursera toute la dot que tu as versée sur moi. Non. N'importe quoi. Fais comme si tu ne me connaissais pas. Gardez-moi ça. Tu ne connais pas. Trouver une femme. Je t'en prie. Trouve-toi une femme. Il y en a dans la rue. N'importe quoi. Oh, l'outil, ne me laisse pas. Reviens, je t'en prie. Je ne peux pas épouser un aveugle. Je ne suis pas aveugle. Si tu l'es. C'est juste de passage. Hein? N'importe quoi. Je suis fini. Oh, l'outil, je t'en prie, non. Chérie, oh Luchi, oh Lou, hey, hey, tout ceci, hein? Non mais je ne reviens pas, mais c'est quelle sorte de tentation? Moi, Dosier maintenant aveugle. Chérie. Hey. Je vais me débrouiller. Hugo! Qui va m'aider? Il faut que je me débrouille. Hey, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Hey, hey, oh, du coup.
Théo. Qu'est-ce que j'ai fait? Délivrez-moi. Dieu, je t'en prie. Aide-moi. Si je t'ai offensé d'une quelconque manière, je t'en prie, pardonne-moi. Dieu, Père éternel, pardonne-moi. Je t'en prie, même si je n'ai qu'un œil, Seigneur. Comment est-ce que tu t'en sors, hein? C'est encore là. Hey! Sœur, regarde-moi. Regarde-moi. Je suis juste là. Oh, Lucie m'a laissé. Hey. Elle est... Cette fille est méchante. Rentrez chez elle. Elle est vraiment méchante. Pourtant, j'étais d'accord avec le fait que tu l'épouses. Hein? Aïe! Elle n'a pas de sentiments. Tikaïma. J'aurais voulu que Tikaïma soit encore là. Tout ça, c'est de ta faute. C'est de ta faute, tout ça. T'étais la première à me dire qu'elle est une sorcière. Maintenant, elle est partie. N'es-tu pas un homme? Hein? Est-ce que tout ce qu'on va te dire, tu vas accepter comme un sobre imbécile? Tous les conseils qu'on te donne, tu les prends et tu les mets dans ta poche. Hein? Tu aurais pu dire non, ça c'est la bonne personne. C'est la bonne personne pour moi. N'es-tu pas la personne qui vivait avec elle pour connaître son comportement? Quelqu'un vient de dehors pour te dire qu'elle est une sorcière et tu acceptes. Serait-ce ce que tu me dis? Je suis désolée si c'est ce que tu veux entendre. Je suis désolée. Je ne savais pas. Tu es désolée. Désolée. Est-ce que ça va la ramener? Hein? Le fait que tu sois désolée va ramener l'amour de ma vie? Tu dis que t'es désolée. Pour commencer, je n'aurais pas dû t'écouter. Tu n'aurais pas dû m'écouter. Hey. Mon Dieu. Mon Dieu. Désolée. Mais... ça ne vaut pas la peine de pleurer sur ce qui est déjà passé. Ce qui est passé est passé, hein? Mais je sais que cette fille t'aime véritablement. Hein? Et elle a un cœur bon et pur. Elle est une chrétienne comme moi. Elle va te pardonner. Tout ce que tu dois faire, c'est aller la chercher et t'excuser. Elle reviendra et prendra soin de toi. Parce que moi, je ne peux plus venir pour prendre soin de toi. Je suis très occupée à l'église. Je ne peux pas continuer à venir prendre soin de toi de cette façon. Qu'elle vienne faire son devoir. Après tout, ils n'ont pas remboursé la dot. Sœurette, si c'était toi, tu allais me laisser revenir. Sois franche envers toi. Ne te mens pas à toi-même. Après tout ce que je lui ai fait, je l'ai chassé de chez moi, dans son état. Hein? Au milieu de la nuit. Mais tu t'attends à ce que j'ai l'audace d'aller lui demander des excuses. Tu sais quoi, frérot? À sa place. Tout ça, c'est du passé. C'est comment aller de l'avant qui est plus important maintenant. Il faut toujours aller de l'avant et ne jamais reculer. Hein? Rakugugunka anka rakwe. Regardons vers l'avenir. Nous irons la chercher. Hein? Son ami doit certainement savoir où elle se trouve. Nous irons lui demander. Où se trouve Tikaïma? Je n'irai nulle part. Hein. Que viens-tu de dire? Je ne peux pas avoir ce courage. Je ne peux pas la regarder dans les yeux. Je ne peux pas avoir le courage d'ouvrir ma bouche et de lui demander de revenir. Pourquoi pas? Après tout ce que je lui ai fait. Bien. Tu vas venir avec moi, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas parler haut. Ce sont tes yeux qui sont fermés et non ta bouche. Ouais. Une bouche fermée est un avenir perdu. Vu que tu es aveugle maintenant, si ta bouche se ferme aussi, tu es fini. Hein? Tu ferais mieux de me suivre, nous irons là-bas la supplier. Supplier, on va nous montrer où elle se trouve pour que nous puissions lui parler. Elle doit revenir. Je n'ai pas de temps. Je peux peut-être faire l'effort pour venir souvent te voir une fois par semaine. Oh, Luke, Lock. Allons donc chercher ton épouse pour qu'elle vienne faire son travail. Je n'irai nulle part. Tu vas venir, oh. Tu vas venir, nous allons partir. Et je colle à Kalaka, chef. En fait, dans ma tête, nous sommes même déjà au portail. Nous allons la chercher. Viens, on part à sa recherche. Tu connais où elle reste? Comment est-ce que je vais te montrer sa maison maintenant que je ne vois pas? Ce n'est pas un souci. Tout le monde connaît où tout le monde reste. Tout le monde connaît où tout le monde vit. Hein? Allons-y. Hey! Oh! Non,
Non, les Mounias, viens. Donc, non seulement tu es aveugle, mais tu es devenu boîte maintenant. Les désolé. Aveugles ne savent pas où poser leurs pieds. Je suis désolé. Je suis désolé. Ne me blesse pas, s'il te plaît. Adana. Hey. Oui, non. Hey. Vous deux. S'il te plaît, ma fille. Nous sommes venus ici. Qu'est-ce que vous faites encore là? S'il te plaît, ne te fâche pas. Mm. Nous savons que nous avons fait du mal à ton ami. Oui. Mais nous sommes venus ici pour nous excuser, oui. S'il te plaît. C'est vrai. Né, je sais que tu n'es pas Tikaïma. Je sais que nous nous excusons chez la mauvaise personne. Mais nous sommes venus pour te supplier. Nous savons que tu sais où elle se trouve. Et nous voulons que tu nous conduises là-bas. Et que tu nous aides à lui demander pardon, c'est ton ami. Laisse-moi te poser une question. Si tu n'étais pas redevenu aveugle, serais-tu venu ici pour chercher Tikaïma? Tu vois? Je me suis dit la même chose. Tu as jeté une femme aveugle hors de chez toi. Dosier, tu es très méchant. Désolé. Tu es vraiment, vraiment méchant. Je prie que peu importe où Tikaïma se trouve, qu'elle soit saine et sauve. Je t'en prie, Seigneur. Amen. 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 Écoute, ma fille. S'il te plaît, Dieu lui-même, il a dit. Il a dit dans sa parole qu'il faut, pardonner 70 fois 7. Pardonner 70 fois 7 fois. Sois-moi un conso. Et il m'a un conso. Amaka, vas-y. Vous deux, partez de chez moi. Il faut te calmer. J'ai dit partez de chez moi. Ouais, Abiko. Et je l'ai goro. D'ailleurs. Et guédé, dada. Damn it. Allez. S'il te plaît, arrête ton cinéma. C'est bon. Pourquoi est-ce que tu n'as pas balayé depuis? Tu voudrais que tu viennes balayer ta cour. Regarde-moi ça. Lene Kiki. Nenu Kagwa. Tu portes ton corps en une femme enceinte. Regarde-toi avec les couilles devant et ce que tu as derrière. Quelqu'un est là? Mon frère. Qui c'est? C'est moi, frérot. Hugo, grand frère. Hein? Hugo, comment vas-tu? Je vais bien. Bien. Mm-hmm. Mon frère, comment tu vas? Me voici, grand frère. Je suis là. Ok. Frérot, je suis venu prendre de tes nouvelles. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais que je fasse pour toi? Tout ce que tu voudras. Je vais faire comment? Tu peux m'aider avec mes vêtements? Hein? Tu m'aides à les laver. Ceux qui sont à l'intérieur? Non, j'ai beaucoup d'habits à faire laver à l'intérieur. Ok. Je te remercie. D'accord. S'il te plaît, ne dis pas que je te dérange. Mais non. Frère, c'est comment avec toi? Ah bon? Pourquoi tu parles comme ça? Merci. Tu sais que t'es la seule personne qui m'aide. Non. Si j'avais été dans la même situation, tu m'aurais aidé. Oui, c'est gentil de ta part. Laisse-moi, c'est à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Ok, laisse-moi les prendre. Frérot. Oui? J'ai aperçu ta femme aujourd'hui.
Et laquelle? Combien de femmes t'en as? J'en ai deux. J'ai Oluti et Chikaima. Mon frère, j'ai vu ta femme Tika aujourd'hui. Hey! Je l'ai vue aujourd'hui. Où? Ouais, aujourd'hui. Où est-ce que tu l'as vue? Je l'ai vue sortir de la maison de la sœur Donna, ouais. Hey! Hey, Chikaima! Hugo, dis-moi, t'es sérieux? C'est pas ça le plus important, mon frère. Elle n'est plus du tout aveugle, comme je suis en train de te parler. C'est vrai ça? Ah, mon frère, si tu vois sa peau. Ha! Si tu la vois, elle est sortie d'une grosse voiture. D'une très belle voiture. C'est parce que t'es aveugle. J'aurais voulu que tu voyes cette voiture. Hey. La voiture dans laquelle elle a débarqué là. Aujourd'hui. Hein? Je t'en prie. Je t'en supplie. Amène-moi jusqu'à elle. Ah, mais c'est pas un problème. Je cherche à la voir. C'est pas un problème. Attends juste que je lave tes habits. Attends. Attends, les vêtements peuvent attendre. Oui, ils peuvent attendre. Amène-moi à elle, il y a longtemps que je la cherche. Ok, on y va. Pas de problème, pas de problème. Allons-y. Je ne connais pas où il est. Comme toi, tu l'as vu. Ok, ok. Amène-moi où elle se trouve. Voilà, regarde, vérifie la porte. Ok, d'accord. Vérifie si elle est fermée. Oui. Ferme. Ferme-la. La porte est fermée. Voilà. Ouais. Viens et accompagne-moi là-bas. Les clés, mets-les dans ta poche. Elle est dans ma poche. Allons-y. Si tu la vois. Hein? Sa peau est vraiment douce. Tu le penses vraiment? Hey! Ma sœur. C'est une longue histoire. Tu sais ce qu'on dit. Achukude wata. Achubanya woma. Efioko. Tout ça est arrivé la nuit où Ndozie m'a chassée. J'étais toute seule en route, abandonnée. Je n'avais personne. Personne vers qui me tourner, vers qui pleurer. Une femme aveugle, abandonnée. Et durant cette même nuit, je l'ai dit à Dieu. Et pendant que je l'invoquais en prière, il m'a exaucé. Hey! Ada, tu ne changes pas. Hey, je suis si heureuse pour toi. Amen. Merci. Hey. Après tout ce qu'Ndozie t'a fait, tu as quand même trouvé l'amour. Tu n'es que quelqu'un aidé. Inela, grand frère Calé. Tu as trouvé une bonne femme. C'est vrai, elle est une bonne femme. Tu peux le redire. Hey, Chikaima est ici présente. Prendra très bien soin de toi. Je le sais. Voilà. Hey, ce stupide dossier. Lanumba. Idiot. Tu vas souffrir, hein? Dieu va te punir. Ibito Pedi. Ada? Comment va-t-il? Qui ça? Ma sœur, il est aveugle. Ogwa, Nchani Nchao. Nkanocha, Deweboulishi. Nkanocha. Comment? Ha! Que lui est-il arrivé? Oh! Laisse-moi te dire. Même. La même nuit qu'il t'a jeté hors de chez lui, il s'est réveillé le lendemain matin aveugle. Isha Anoucha. Alors que je vous parle, sa femme l'a abandonné. Sérieux là? Aïe. Il doit vraiment souffrir en ce moment. On passe à Lia, non? Nem Kekiwe. Euh,
T'es sûr qu'elle est là? Bien sûr qu'elle est là. Elle est là. Elle est là. Mais je l'appelle et ne répond pas. Rapproche-moi d'elle. Je veux me mettre à genoux devant elle. Doucement, un cœur. Elle est là. Ok. Là. Chikaima. Chikaima. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Tout ce que je t'ai fait de mal, pardonne-moi. Je sais que je t'ai fait du mal. Tu as pris soin de moi. Comme un roi quand j'étais aveugle. Tu ne m'as pas regardé comme cet homme pauvre. Tu m'as regardé comme ton mari. Tu ne me regardais pas comme un homme aveugle. Tu me regardais comme ton mari. Mais quand les rôles se sont inversés, je t'ai traité avec beaucoup de mépris. Je t'ai traité différemment. Ce qui n'était pas bien. Nam, tout ce que je veux, c'est ton pardon. Je ne te demande pas de revenir. Tout ce que je te demande, c'est de me pardonner. S'il te plaît. Je sais que je ne te mérite pas. Je sais. Nam, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en supplie, pardonne-moi. Regarde mon état et pardonne-moi. Je te prie. Je t'ai pardonné. Hey. Malgré le mal que tu m'as fait, tu as blessé mon cœur. Tu as blessé mon âme. J'ai pris soin de toi. Je t'ai soutenu quand tout le monde t'avait tourné le dos. Et qu'as-tu fait? Tu m'as abandonné malgré le fait que tu savais que je n'ai personne. Nam, désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Dosier, je t'ai pardonné. Je t'ai vraiment pardonné. Je ne garde aucune rancune contre toi. Hey. En fait, je te remercie de m'avoir mise dehors cette nuit. Parce que cette nuit, Dieu m'a envoyé un ange. Dieu a envoyé cet homme incroyable dans ma vie pour essuyer mes larmes. Je ne te garde aucune rancune. Je te pardonne. Hey. Je te souhaite le meilleur. Hey. Je veux que tu me fasses une faveur. Une seule. Ma famille va te rembourser la dot que tu as versée pour moi. Et quand ils le feront, s'il te plaît, je veux que tu l'acceptes. Non. Merci. 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 Tu sais que je t'ai perdu. Je sais que j'ai perdu l'ange que Dieu m'a donné. Je sais. Mais je te souhaite bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Alors? Nous allons devoir partir, ok? Imayasuna, yo! Okan, nous que fous non kan, nous apaye, manousef! Ne t'en fais pas! Ce n'est pas grave! Ne t'en fais pas, je ne sais pas pourquoi tu te déranges! Quel rêve! C'est très sérieux! Vraiment? Ça veut dire que Callistus est ton mari? Hey! La volonté de Dieu est différente de celle des hommes. Ce n'est vraiment pas pareil. Hey! Mais à la fin de cette journée, je suis celle que ton rêve a favorisée. Il m'a favorisée physiquement et dans le rêve. Hey! S'il te plaît, oh, fais la volonté de Dieu.
Épouse Callistus et tout ira bien pour toi. Qui est là? Onye? Qui est-ce? C'est moi. Non. Ah, Dosier. Non. Ada. Dosier, bon après-midi. Bon après-midi. Comment vas-tu? Ouais, je vais bien. Et que fais-tu ici? En direct, oublié. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh! Je suis vraiment désolée. Vraiment. J'ai oublié. Je sais, je sais. À chaque fois que tu es avec Ada, tu oublies toujours. Toujours. Je suis vraiment désolée. Joyeux anniversaire. Merci. Je te souhaite le merci, meilleur. Merci. Joyeux anniversaire. Oh, merci à toi, Ada. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je me suis dit que je vais faire en sorte que ce soit un jour mémorable. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Attends. Je t'en prie. Épouse-moi. Dosier, qu'est-ce que tu fais? Je te supplie, Dikaïma, de m'épouser. Fais en sorte que ma joie soit complète. Je t'en prie. Une prière à Dieu. Ton rêve. Qu'est-ce que c'est que de prière à Dieu et quel rêve? En effet, ces voix ne sont pas les voix des hommes. Oui. Merci, Seigneur. Jésus, ok. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour le don de révélation. Merci de m'avoir fait voir tout Amen. Ça. Merci, Seigneur, pour la réalité. Amen. Merci infiniment, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci grandement. Rendre grâce à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Hein? Ok. Dosier. Mon amour. Tu es un homme bien. Merci. Merci beaucoup. Je suis sûre que n'importe quelle femme serait heureuse de t'avoir comme mari. Mais je suis désolée. Je ne peux pas t'épouser. Chi. Chi, pourquoi? Hein? Chi, s'il te plaît. Aide-moi, supplie ton ami. Je t'en prie. Chi, je ferai n'importe quoi pour que tu sois ma femme. Je veux passer le restant de ma vie avec toi. Je t'en prie, je t'en supplie. Dosier, je sais. Je sais que tu vas m'aimer. Je ne doute pas de ton amour pour moi. Je sais que tu veux passer le reste de ta vie avec moi. Mais je ne suis pas ta femme. Et tu n'es pas mon mari. Et je sais qu'au moment opportun, Dieu va te donner ta femme. Fais-lui simplement confiance. Amen. Do I feel the way I feel? I only pray. I only pray. What seemed to be a rollercoaster is thrown to earth on.
burn to my flesh, where did I go wrong? What have I done now? My hands are tied. I need to know. Oh, where did I go wrong? What have I done now? My hands are tied. I need to know. I need to know.